Bonjour, nous allons effectuer aujourd'hui la correction de l'exercice 2 des travaux géométriques du brevet des collèges de juin 2006 dans la région Centre-Est. Alors, l'énoncé est écrit derrière moi, mais je vais aussi vous le lire. Alors, la figure est à réaliser sur une feuille de papier millimétrée. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ, l'unité de longueur est le centimètre. Question 1. Placez les points A de coordonnées moins 2, 1. B de coordonnées 3, 2. C de coordonnées moins 3, moins 2. Et G de coordonnées 7, 0. Question 2A. Placez le point E tel que AB égale CE. Donc tel que vecteur AB égale vecteur CE. En déduire la nature du quadrilatère ABEC. Petit b, donner par lecture graphique les coordonnées du point E. Question 3, calculer la valeur exacte de la longueur AB. Question 4, placer le point F de coordonnées moins 1, 4 et démontrer que F est le symétrique de C par rapport à A. Question 5, démontrer que B et le milieu du segment FG et en déduire sans autre calcul la longueur CG. Donc quand on lit l'énoncé de cet exercice comme ça d'une traite, on voit évidemment que ça va toucher au vecteur dans un repère orthonormé. Là, quand on lit la question 2, on voit que là, on se rapporte à de l'égalité de vecteurs. Là, on a la lecture graphique. Ensuite, on a du calcul de coordonnées. Et ensuite, on a la formule du milieu, des coordonnées, du milieu d'un segment. Voilà. Donc là, je vous conseille de faire une pause et d'essayer de faire l'exercice par vous-même, hein, sachant qu'il est recommandé d'y passer, une demi-heure, et de revenir à la correction ensuite. Alors, passons donc à la correction de cet exercice. Donc, la figure est à réaliser sur une feuille de papier millimétrée, d'accord? Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ, donc un repère orthonormé, donc repère en angle droit. Orthonormé, donc normé, ça veut dire que OI et OJ sont de même longueur. L'unité de longueur est le centimètre, donc OI égale 1, OJ égale 1. Alors, première question. Placez les points A de coordonnées moins 2, 1. Donc, A de coordonnées moins 2, 1. Donc, on a toujours l'abscisse d'abord, l'ordonnée ensuite. Donc, moins 2. On est ici. Moins 2. Et 1. Donc, le point A est ici. B de coordonnées 3, 2. Donc 1, 2, 3 en abscisse, 1, 2 en ordonnée. Donc voilà pour le point B. Le point C, moins 3, moins 2. Donc attention, abscisse négative, hein, donc on est là, moins 3. Ordonnée également négative, donc on descend, moins 2. Enfin, le point G a pour coordonnées 7, 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et comme son ordonnée est 0, et ben voilà, il est là le point G. Donc A, B, C et G. Alors, deuxième question. Placez le point E tel que AB égale CE. Tel que AB égale CE. Donc déjà, là, on voit qu'on a notre segment AB ici. Donc on va le tracer.
Alors, pour tracer le vecteur CE, donc vous savez que si AB égale CE, il suffit de tracer le parallélogramme ABEC. Dans ce cas-là, on prend son compas, on reporte la longueur AB ici, la longueur AC ici, et le point trouvé donc est le point E. Là, comme on est dans un repère orthonormé, on peut utiliser les quadrillages donc de notre repère pour tracer notre vecteur. En effet, pour passer du point A au point B, on avance de 1, 2, 3, 4, 5 unités vers la droite et on monte de 1 unité. Donc là, on fait la même chose avec E. On avance de 5, 1, 2, 3, 4, 5 et on monte de 1 unité. Donc le point E est ici. On trace. Voilà, hein, on voit bien que AB égale CE. Donc ça signifie, hein, que évidemment des vecteurs égaux ont les mêmes coordonnées. Hein, c'est pour ça qu'on peut utiliser les carreaux pour le tracé. Alors, ensuite, en déduire la nature du quadrilatère ABEC, donc ça c'est ce que je viens de dire par oral, donc on va l'écrire. Alors, comme AB égale CE, alors le quadrilatère ABEC est un parallélogramme. Hein, donc ça, c'est dans la définition des vecteurs égaux. Hein. Donc là, il n'y a pas besoin d'autres justificatifs. Hein. Donc on passe à la question suivante. Donnez par lecture graphique les coordonnées du point E. Donc là, on se reporte à notre graphe. Alors, le point E, il a pour abscisse 1, 2, 2. Et on voit qu'il a pour ordonnée moins 1. Alors, on note. Donc, ça, c'est la troisième question. Ou cette petit b de la question 2. Alors, petit b. Par lecture graphique. On a. Qui a donc pour coordonnées, on a dit 2 moins 1. Donc 2 et moins 1. Ensuite, question 3. Calculer la valeur exacte de la longueur AB. Alors, pour calculer la valeur exacte du segment AB, là, il faut utiliser une formule à savoir par cœur. Elle a l'air un petit peu compliquée, hein, mais elle ne l'est pas tant que ça. Donc, surtout, apprenez-la. Alors, quand on a des points caractérisés comme ça par des coordonnées dans un repère orthonormé, il y a donc une formule utilisant ces coordonnées pour calculer la longueur. Cette formule, la voici.
C'est racine de xp moins xa carré plus yb moins ya carré. Alors vous allez me dire, oui, elle n'est pas évidente parce que on confond souvent le plus ici avec les moins là, donc souvent on fait le contraire. Ou alors on ne sait jamais si c'est d'abord le b et le a. Donc pour vous aider, dites-vous que ce qu'il y a dans le carré, c'est forcément négatif ou positif, mais en tout cas le signe moins est dans les carrés parce que ça veut dire que le nombre à l'intérieur soit positif ou négatif, vu que ce sera mis au carré, ce sera toujours positif. Donc si on a par exemple moins 2 au carré, moins 2 fois moins 2, ça fait 4. 2 au carré, ça fait aussi 4. Donc dites-vous que ce qu'il y a entre les parenthèses, là, c'est le moins, parce que le résultat soit négatif ou positif, ce sera toujours positif grâce au carré. Donc déjà, si vous souvenez de ça, c'est pas mal, parce que si le moins est dans les parenthèses, vous savez que là, c'est le plus. Et par ailleurs, est-ce qu'on met d'abord le xb ou le xa, et là le yb ou le ya? Ça n'a pas d'importance, puisque comme après c'est mis au carré, que vous fassiez moins 3, moins 5 ou 5 moins 3, en fait ça reviendra au même. D'accord? Donc là, pas d'importance si c'est d'abord le xb ou le xa, on peut très bien écrire xa moins xb, ya moins yb, la formule sera la même. Donc une fois que vous avez cette petite technique pour vous souvenir de ça, on va passer à l'application. Alors, AB égale XB. Donc on a dit que c'était 3. XA moins 2. Donc moins 2 au carré plus YB 2 moins YA moins 1. Le tout au carré. Donc AB égale 3 moins moins 2, donc ça nous fait 3 plus 2 au carré, plus 2 moins 1, ça nous fait 1 au carré. AB égale 3 plus 2, 5 au carré, plus 1 au carré. AB égale 25 plus 1. AB égale racine de 26. Donc là, on aurait tendance à vite prendre la calculette et à donner l'arrondi. Or, quand je relis ma question, on me dit calculer la valeur exacte de la longueur AB. Calculer la valeur exacte de la longueur AB. Donc là, attention. On vérifie à la calculette, qu'est-ce qu'on voit? Donc racine de 26 est égale à 5,99901951. Bref, donc même si on prend un ou deux chiffres après la virgule, ça ne sera jamais la longueur exacte. Donc la longueur exacte, c'est racine de 26. Et racine de 26 quoi? Centimètres. Hein, donc là, c'est bien important de suivre les consignes. Hein. Comme je l'ai déjà dit, on relit sa question avant de conclure. Donc là, on voit tout de suite valeur exacte. Donc voilà. AB égale racine de 26 cm. Donc on va passer à la question suivante. Placez le point F de coordonnées moins 1, 4 et démontrez que F est le symétrique de C par rapport à A.
Donc là, on retourne sur notre graphique. Alors, donc le point F a pour coordonnées moins 1, 4. Donc moins 1, on est là. Et 4. Ici. Donc là, c'est notre point F. Alors, il faut démontrer que c'est le symétrique de C par rapport à A. Donc déjà, graphiquement, ça se voit effectivement que F est le symétrique de C par rapport à A. Donc là, c'est bien parce que le graphique permet toujours de comparer par rapport à ce qu'on nous demande. Si par exemple, on avait trouvé un point F ici, bah là, ça n'aurait pas du tout été parce que les points n'auraient pas été alignés. Donc F n'aurait pas pu être le symétrique de C par rapport à A. Donc là, déjà, on sait que notre point F, il est bien placé a priori. Alors, si F est le symétrique de C par rapport à A, qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça signifie déjà que A est le milieu de CF. Parce que vous vous souvenez comment on trace une symétrie centrale. Hein? On trace la droite CA. Ensuite, on prend la longueur AC avec un compas, on la reporte de l'autre côté. Et on a le symétrique. Donc ça signifie bien que les points CAF sont alignés et que la longueur CA et AF sont les mêmes. Donc ça signifie que A est le milieu de CF. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on a les coordonnées de C, on a les coordonnées de A et on a les coordonnées de F. Donc on peut regarder si les vecteurs CA et AF sont égaux. Car vous savez que si le vecteur CA égale au vecteur AF, alors oui, A est le milieu de CF. Alors, donc, les coordonnées de vecteur, vous vous souvenez? Donc, calculons les coordonnées donc, de CA. Donc, on sait que c'est x de A moins x de C, donc ça c'est l'abscisse de ce vecteur, y de A moins y de C. Donc on a CA qui a pour coordonnées, donc xA moins 2, xC moins 3, donc là moins moins 3, y de A 1, Y de C moins 2. Donc moins moins 2. Donc moins 2 moins moins 3, ça nous fait moins 2 plus 3. 1 moins moins 2, 1 plus 2. Ça nous donne CA. Donc 1, 3. Ensuite, calculons donc AF. Alors, AF a pour coordonnées x de F moins x de A, y de F moins y de A. Alors aussi, pour vérifier là les coordonnées de CA, on le fait sur le graphique. Parce que vous savez que ça signifie, hein, quand un vecteur a pour coordonnées 1, 3, ça signifie que pour passer du point C au point A, on avance de 1 dans le sens des abscisses et de 3 dans le sens des ordonnées. Alors est-ce que c'est bien ça? Si je fais 1, 1, 2, 3, j'arrive bien sur le point A. Donc là, a priori, avec vérification sur le graphique, on ne s'est pas trompé. Alors, AF.
X de F moins 1. X de A moins 2. Donc moins 2. Y de F 4. Y de A 1. Donc AF A pour coordonnées, moins 1 plus 2, 4 moins 1, 3. AF A pour coordonnées, 1, 3. Donc là, on vérifie aussi. Donc j'avance de 1 vers la droite, 1, je monte de 3, 1, 2, 3. Donc on arrive bien sur point F. Donc graphiquement, on est OK. Là, on conclut. Donc CA égale AF. Donc là, comme on l'a vu hein, dans la leçon sur l'égalité des vecteurs, quand on a CA égale AF, donc c'est-à-dire ici la même extrémité, la même origine, alors A est le milieu de CF. Donc A milieu de CF. Donc là, on n'a pas encore tout à fait répondu à la question, puisque la question c'était démontrer que F est le symétrique de C par rapport à A. Donc ça, on nous disait déduire que de A est le milieu de CF. Donc F est le symétrique de C par rapport à A. Voilà, et là donc on a vraiment répondu à la question. Alors dernière question. Démontrer que B est le milieu du segment FG et en déduire sans autre calcul la longueur CG. Alors B, milieu du segment FG. Donc a priori sur notre figure, hein, on voit que ce serait bon. En tout cas, les points sont alignés. Maintenant, il faut qu'on vérifie donc au niveau des longueurs. Donc on a tous les coordonnées. Hein, donc on a les coordonnées de B, on a les coordonnées de F et les coordonnées de G. Donc il suffit de voir si notre formule est vérifiée. Alors de quelle formule s'agit-il? Vous la connaissez? Donc c'est la formule sur les coordonnées du milieu, c'est-à-dire donc si B est le milieu de FG, alors ses coordonnées vérifie la formule suivante. Donc x de b égale xf plus xg sur 2 et y de b égale yf plus YG sur 2. Calculons alors XF plus XG sur 2 et YF
plus YG sur 2. Donc XF plus XG sur 2. C'est égal. Alors XF, on voit que c'est moins 1. Plus XG, c'est 7. Sur 2 égale moins 1 plus 7, ça nous fait 6. 6 sur 2, ça nous fait 3. 3, est-ce que c'est l'abscisse du point B? Oui. Donc 3 est bien égal à l'abscisse du point B. XF plus XG sur 2 égale 3 égale XB. Ensuite, YF plus YG sur 2 égale YF, c'est 4. YG, c'est 0. Égale 4 sur 2 égale 2 égale. Est-ce que c'est bien l'ordonnée du point B? 1, 2, oui, donc égal à YB. Donc on a bien YF plus YG sur 2 égale YB. Donc B est le milieu de FG. Donc on relit bien la question pour voir si on a bien respecté les consignes. D'accord. Alors, en déduire sans autre calcul la longueur CG. Alors, je vais également souligner ici. Alors, sans autre calcul, la longueur CG. Alors, d'après vous, donc si je poursuis cette droite, donc sans autre calcul, hein, donc ça veut dire de façon assez rapide. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que A milieu de CF, B milieu de FG. Donc dans le triangle FCG, on a la propriété des droites des milieux, puisque A, donc c'est le milieu d'un côté, B le milieu de l'autre côté. Donc vous savez que cette règle nous dit que AB et la moitié de CG. Donc CG égale 2AB. Donc CG égale 2AB égale 2 racine de 26 cm par la propriété des droites des milieux. Appliqué au triangle FCG. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt, au revoir.